Salut à tous. Après le match incroyable contre. Enfin, incroyable. Après le bon match contre Arsenal, il faut confirmer contre Norwich City. J'espère que c'est ce qu'on va faire. Joe Linton, deuxième au classement des meilleurs buteurs derrière Max Meyer et devant Ashley Barnes. Non, j'ai jamais eu ça. Compétition de configuration de base. C'est une mini-faute ou quoi? C'est trop fort. Un poteau. Il reste 2 secondes. Ah. J'aurais même pas mis un but. Bonjour à toutes et tous. Nous voici à Carrow Road à Norwich aujourd'hui pour suivre ce match avec vous. Come on, McBride. Come on, McBride. Comme toujours, de mon fidèle Pierre Ménès. C'est la première ligue anglaise qui est à l'honneur aujourd'hui avec ce match. Norwich City Come on, contre Newcastle. Come on, oh, mon petit Hervé, c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match. Moi, quand tu me plonges dans une ambiance pareille, ça me transporte, je me régale. Maintenant, il faut aussi que le spectacle soit au rendez-vous sur la pelouse, sinon je vais tout de suite arrêter de me régaler. Come on, McPies. Come on, McPies. Canizzuri. L'équipe à domicile, dont voici la composition. Nouvelle. Nouvelle. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. Très bonne équipe de Norwich. Les 11 titulaires pour Newcastle aujourd'hui. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est devenu un peu rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Je me plains assez là-dessus, mais pour une fois, on est plutôt bien assis là, non? C'est vrai que c'est plutôt bien, ouais. Bien installé le gars qui joue là. Hein. Oh, c'est bien vraiment. Allez, let's go. C'est le coup d'envoi. J'espère qu'on va avoir un bon match. Oui, moi aussi. Le public aussi. La confirmation. Ça doit être aujourd'hui. Dermich. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Nadiem Amiri. Mendel. Ah, il perd ce ballon. Doda. Allez, ils vont jouer la touche. Isaac Hayden. Daniel Jury. La touche. Très bonne intervention défensive. Tiens, l'expérience. Il a moins de vitesse qu'avant. Il a l'expérience du placement. Dwight Gale. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Et il a un centre magnifique. Alors qu'on va assister au premier pas d'un nouveau gardien aujourd'hui. Tout à fait, Hervé. Nouveau portier, nouveaux automatismes et pour une nouvelle équipe.
Et puis vous noterez la présence de la dernière recrue, un poste derrière latéral. Oh oui, il a raté son contrôle. Allez, un peu de réussite pour Newcastle. Pourquoi pas. Le centre, la frappe. Et goal. Khaled Djouré. Ça devait être animé. Il nous fallait juste un peu de réussite. Ah, c'est net, Pierre. On le revoit. Ils font la différence sur une passe. Hein. Une passe millimétrée. Le buteur est dans les conditions parfaites. Aucune question au moment de sa frappe. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Et nous bel est battu. Bien joué, Daniel. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Newcastle United goal. Number 8, Daniel Caligueri. Doda. Allez, il va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Garmitch. Il n'a pas passé loin. Il rate le cadre. Et pas qu'un peu. Oui, absolument aucun danger pour le gardien. Wendell, Fabian Schär, qui change d'aile magnifiquement vers Lazzaro. Valentino Lazzaro. Lazzaro. Dwight Gayle. Yay. Wellington. Amiri. Amiri. À côté. Pas du tout cadré. Non. Ça y est, nous casse dans son match. Ça risquait pas. Hein. La confirmation. Maurice Leitner. Doda. Attention. Cherche une solution là. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Le centre à destination de ses partenaires. Ah non, le ballon est perdu. Wow, c'est dévié. Ils vont pas se laisser faire. Sinon, ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression. Le jour de Norwich. Pas grand chose. Mark Price. Ce sont des guerriers. Des fucking guerriers. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Il faut que je me concentre. Je m'emporte un peu c'est trop. Rendu au camp adverse. Amiri Wendell. Amiri. Amiri. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Bien joué. Joelinton. Joelinton, il vient en retrait. Il cherche des solutions là. La frappe. Le gardien qui se détend. Bien joué. Et le 4-4-2 va très bien pour cette équipe Doda. De Newcastle. Ils n'iront pas plus loin sur cette action. Ah, il n'avait pas le choix, il fallait vraiment qu'il revienne. Ah non, ballon perdu. Maurice Leitner. Doda. Garmitch. Pas trop. Attention. Ah oui, le tir. Oh. Ils sont toujours menés d'un but. C'est bête de rater cette balle d'égalisation. Ça se rapproche pour Norwich. Faut faire attention. Mandel. Fabian Schär. La seule, ça. Isaac Hayden. Daniel Caligiuri. C'est un score l'aurait favorable. L'adversaire n'attaque pas beaucoup, alors le ballon tourne. Fabian Schär. Amiri. Quel technicien sur Amiri. Et il ouvre vers Lazzaro. Le centre de Lazzaro en attend. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Ouh, Wendell, qu'est-ce qu'il m'a fait là. Ballon rendu à l'adversaire. Nadiem Amiri. On s'approche du but adverse. Joel Linton était parti. C'était bien essayé. Qu'il va faire. Allez, le centre maintenant. Peut-être l'égalisation. Ça sentait venir cette égalisation. Le but qui remet les deux équipes à égalité. Et ben voilà, on revient au point de départ. En fait. Ben, le buteur est content. Il peut aller remercier son coéquipier quand même. Hein. C'est vrai que le centre était parfait. Donné dans le bon timing. Bravo. Et voilà donc à égalité, un but partout. Goal for Norwich City, number 20, Joseph Gomez.
C'est loin d'être fini ce match. Ça doit être la confirmation. On tacle et le ballon qui sort en touche. Leonardo Coutrice. La passe est interceptée. Faute. Oui, oui, faute absolument. Et même s'il n'est pas super bien placé, ce coup franc, il faut qu'il arrive à mettre ce ballon dans la surface. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Daniel Caligiuri essaye de trouver la faille. Lookman. Ah, c'était bien fini. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Eh oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Non, elle est interceptée cette passe. Ah, il y a beaucoup à jouer là. Il n'est pas tout seul. Intervention près de la ligne de touche. Jolinton. Jolinton. Lookman, Jolinton. Lookman, il est parti. Oh là, ouais, non. La tentative de l'aube. Pour pas gâcher les occasions. Qui a bien senti le coup. Leonardo Coutrice. Il s'avance vers la surface. Allez, l'occasion peut-être de mener. Oh, Woodman de la parade. Qui gagne son duel face à l'attaquant. Tir puissant, violent et là, Woodman. Ça peut permettre à cette équipe de virer en tête si elle marque. Attention. Il lève la tête, il va centrer. Il préfère revenir dans l'axe. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Le ballon qui a été contré. Il y a le gardien qui s'empare du ballon. Ouais, tranquille, sans souci. Fabien Char. Oh, la faute sur Fabien Char. Voilà, coup franc. Pas de carton. Avertissement sans frais, hein, finalement. Il s'en sort bien. Hein. Si tu veux mon avis, l'arbitre a dû être extrêmement clair avec lui. Hein. Et on voit qu'il commet bien une faute hein, sur ce tacle. C'est un peu emporté sur ce tacle glissé. Isaac Hayden. Mendel. Mendel, le centre. Une deuxième chance, peut-être. Il faut trouver une option disponible. Il sent peut-être trouver preneur. Dégagement. Il n'y aura personne à la retombée de ce centre. Duda. Bayram. Dermich. Isaac Hayden. Quatrième arbitre qui donne 3 minutes de temps additionnel. Oh, pas trop inquiété le gardien. Non, il a voulu jouer en finesse, mais c'est complètement raté en fait. C'était pendant longtemps une rumeur. Anthony Martial transféré au Borussia Dortmund. A signé au Borussia Dortmund en provenance de Manchester United. Oui, oui, Hervé a noté que le montant de la transaction aurait atteint une somme astronomique. Duda, Maurice Leitner. Leonardo Coutrice. Dermich. Oui, ça circule bien. Ils construisent tranquillement. Ils cherchent une solution. Dermich. Il repousse le tir. Un partout à la pause. Parfait à la pause. Un partout après ces 45 premières minutes. Une première période à l'issue de laquelle rien n'est fait pour le moment. Non, rien n'est fait. Un score de parité qui ne surprendra personne. Allez, voyons le côté positif du truc. Il y a encore du suspense. C'est le coup d'envoi. J'espère qu'on va avoir un bon match. Oui, moi aussi. Et le public aussi.
Allez, il peut y aller tout seul. Jury. Oh, l'ouverture du score! Déjà un but dans cette rencontre. Ah, ça devait être animé. Dermić. Ouais, la tête qui rate le cadre. Et pas qu'un peu. Oui, absolument aucun danger pour le gardien. Ah oui, le tir. Ils sont toujours venus d'un but. C'est bête de rater cette balle d'égalisation. C'est un score logique pour moi, parce que... Qu'est-ce qu'il a fait ? Norwich a poussé. Allez, le centre maintenant. C'est un beau but. Il aurait même pu la prendre du gauche. Peut-être l'égalisation. Oh, quand même, le gardien. Le je passe pas loin du pied du gardien. Le but qui remet les deux équipes à égalité. Et ben voilà, on revient en point de début. Regardez mes belles dents. Et là, ça aurait pu être même plus que ça. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Je l'aurais fait dire Woodman. Ce sera un corner. Heureusement. Ça peut permettre à cette... Palace qui gagne 0-2. Liverpool. Elle reste de match nul, donc tant mieux. On va faire rentrer à dessous. Ah bah il est pas là. Non, c'est pas les murs. Peut-être quelque chose de plus défensif avec Matrici. Ah non, il est offensif aussi. Allez, c'est pas fini. On est à la moitié du chemin, c'est reparti maintenant pour 45 minutes. Il y a sûrement eu quelques ajustements tactiques, mais on va voir, essayer de voir lesquels. Ah oui, c'est intéressant comme stat. Hein. En tout cas, moi je regrette pas d'être venu. Pas si souvent, les deux équipes veulent imposer leur jeu, elles ont plein d'occasions, et en plus on a vu des buts, donc voilà, hein, pourvu que ça dure. Il n'y a pas d'hors-jeu. Tollington. Wickman. Oh là là là, la ballon capté par le gardien. Ah non, le ballon est perdu. Ouais, on passe par le côté. Une touche longue ou une touche courte, on va voir. Isaac Hayden. Allez, comment? La seule, ça. Matrici. Nadiem Amiri. Amiri qui continue d'avancer. C'était stoppé. Parmi les matchs à venir, on aura rendez-vous avec de la Première Ligue. Avec cette rencontre, Norwich accueillera Chelsea à domicile. Ça devrait être une bonne rencontre de Première Ligue avec de l'intensité dans les duels et tout ce qui fait le charme du foot anglais. Attention, ils peuvent reprendre la... Darlington, le goal. Oh, le but qui donne la victoire à cette équipe dans cette rencontre. On va guider l'autre équipe parce qu'il reste un peu de temps quand même. Et ça fait bim, bam, boum. Ça fait hippie, ça fait ouf. De la part de la défense, ce qui ne nous empêche pas d'apprécier cette chevauchée solitaire. Boum. Ça va trop vite pour Nubel et pour la défense de Norwich. Les Magpies sont frappés à nouveau. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2-1.
Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Pierre, votre avis sur le prochain match de Newcastle? Le club se retrouve opposé à Tottenham pour sa prochaine rencontre. Tottenham, ce sera l'occasion d'un match de première ligue. Très compliqué, c'est évident, face à un adversaire largement supérieur. On va voir ce que ça va donner. Ouais, la passe n'arrivera pas à destination. Bien joué, Charles. Ils le perdent. Le char d'assaut suisse. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Gaël. On cherche une solution là. Oh là là. Corner à suivre. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Il cherche à égaliser à tout prix. Et ça fait bim, bam, boum. Ça fait bip et ça fait boum. Il va arriver en plein milieu de la surface. Bien donné encore une fois. L'adversaire. Un ballon trop facile à reprendre finalement. Perdu stupidement. Doda. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Dwight Gale. On cherche une solution. Nadiem Amiri. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Ils ont continué à progresser. Attention, le repli a été très rapide, très efficace pour enrayer cette contre-attaque. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Ouais, le bon centre dans la surface. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Il essaye de trouver la faille. Wellington, on prend sa chance. Ça y est, là, on est dans le match. On est bien dans le match. Du gardien de but. Wellington est en feu. Le s'en sortant la reprise. Ah, il n'a pas su profiter de cette occasion. Et le gardien qui s'empare du ballon. Ouais, facilement en plus, à cette distance, normalement, ça ne devrait pas pardonner. Isaac Hayden, Valentino Lazaro. Gaël. Dwight Gaël. Oh, dommage. Ah non, c'est pas ce qu'il voulait faire certainement. Tiré en puissance. Il a fait les gros yeux, l'entraîneur. Il a bien senti que son équipe avait l'occasion de prendre le large dans ce match. Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Oui, bien joué, récupère la balle pour son équipe. Bonne intervention. Intervention parfaite, hein. Bonne anticipation. Comment, Matrici? Matrici. Ballon qui passe d'une équipe à l'autre. Il poursuit son action personnelle. Il faut trouver la frappe. Arrêt du gardien. Valentino Lazaro. La Sels. Rolando Arons. Nadiem Amiri. Isaac Hayden. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Cherche la faille dans la défense adverse. Ah non, c'est pas bien fait ça. Dwight Gale. Il est sorti des limites du terrain, ça va être un rasoir à 5m50. Faut pas s'endormir les gars, on est bien dans le match. Rendu au camp adverse. Bien passé. Oh là là, c'était juste et dangereux.
Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Belle passe. Maîtrise pas le ballon, il le perd. Pas de Lazaro. Les supporters qu'ils savent, si leur équipe doit égaliser, c'est maintenant. On cherche des solutions là. Tacle et ballon qui sort en touche. Un changement pire, on dirait. À charge maintenant pour le remplaçant de trouver le bon rythme dans ce match. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Chercher une ouverture, bien sûr. Ah oui, la bonne passe. Qu'est-ce qu'il va faire? Et ce centre qui est contré. Il doit absolument et Amiri va être remplacé. Il aura fait un bon match. Nadiem Amiri. Miguel Amiron. Il cherche le point de pénalty. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. C'est loupé. Cette tête ne donnera rien. Ça passe très loin du cadre. Ouais, mais il la reprend mal. Donc du coup, c'est sans danger pour le gardien. Isaac Hayden. Et on arrive dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Ah, écoutez ça, Pierre, le score qui n'est pas favorable, mais le public y croit encore. C'est normal, hein, faut y croire jusqu'au bout. Hein. Il essaye de trouver la faille. Il cherche une solution. Il cherche une solution là. Ah, le ballon en retrait. Oh, oh là là. L'égalisation à quelques minutes de la fin du match. Incroyable. On ne va pas confirmer voilà, peut-être. C'est à ce genre de scène qu'on reconnaît mais les groupes soudés. C'est une très belle action. Le manque de marquage. On les trois joueurs, nulle part. Courage de ne pas baisser les bras. Maintenant, ça peut faire un final de folie. Oh allez, là là. Encore une égalité. On a gâché trop d'action. On approche de la fin du match. Toujours ce score de 2 partout. Qu'est-ce qui attend ça? Là, laisse l'avantage. Tacle mal maîtrisé. Ah, ça fait rouge. Peut-être un rouge là. Attention. Ah, qu'est-ce qu'il va dire l'arbitre? Eh oui, c'est le rouge. Il est violent et en plus il est bête. C'est beaucoup pour le même joueur. Le dégagement pour éloigner le danger. La rouge va peut-être nous aider. Il ne faut plus perdre de temps, plus perdre une seconde. Matrici. Miguel Almirón. Devant. Dolinton. Dwight Gayle. 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 Goal. Dwight Gayle. La confirmation, Seigneur. Que vous êtes bon et généreux. L'avantage, Pierre, le chrono qui tourne maintenant en leur faveur, alors qu'il reste très peu de temps à jouer. C'est maintenant qu'il faut être bien. Le carton rouge. Le carton rouge. Bon, on pensait qu'on allait droit vers un score de parité. Eh ben, voilà qui et que c'est dur. Sûr, c'est un but qui va faire mal. Maintenant, il va falloir tenir ce score pendant les quelques minutes qui restent. Leonardo Coutrice, Doda. Allez, il faut qu'il fasse preuve de sang-froid parce qu'il n'aura pas de deuxième chance. Ouais, bonne et là, on va prendre notre temps. Ouais, ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. 3 minutes, ce sera la durée du temps additionnel. Ouais, il n'avait pas le choix, il fallait vraiment qu'il revienne. La passe est interceptée. Isaac Hayden. Et victoire de Magpies sur le film à l'arraché. Victoire de Magpies. On se rejoint pour le grotesque contre Tottenham. Portez-vous bien. Bisous. Bisous. Bisous.